Vous pensez, je vais avoir quoi dans l'œuf? Hey, hey les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir tous les œufs légendaires dans Adopt Me. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner en activant la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans la nursery et derrière moi il y a les Woodland Eggs. Donc je vais commencer par acheter ceci, ensuite il y a le pet egg, le cracked egg et le royal egg. Bref, c'est parti, j'ai trop hâte, 750 $, enfin bucks. En gros comme tous les autres eggs, les ocean eggs et les fossil eggs, j'ai super hâte de voir qu'est-ce que je vais avoir dedans. Donc on va tous les hatcher ensemble dans cette vidéo. Ensuite je vais prendre un royal egg, 1450, c'est un peu cher mais bon, espérons d'avoir un légendaire. Et ensuite, je n'ai malheureusement pas assez d'argent pour acheter un pet egg, mais on va remplacer le pet egg avec un aussi egg, les amis. Alors, je suis pas encore sûre si je vais l'ouvrir, mais voilà, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose que je vais regretter. En vrai, j'en ai 3, donc si vous voulez, on pourrait voir c'est quoi les offres qu'on pourrait avoir pour un aussi egg si jamais j'ouvre celui-là. Surtout que sur le site d'Etrad, je sais pas si vous le connaissez, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais bref, j'ai cherché la valeur des aussi eggs et il y a des trades vraiment waouh, à un point genre waouh waouh. Je sais même pas si c'est fake, genre ils tradent avec leur compte alternatif, etc. Mais en tout cas, ça donne envie d'essayer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les 3 eggs que nous allons hatcher ensemble aujourd'hui en favori. Je commence par lequel? Pourquoi pas le Woodland Egg? Bref, c'est parti pour la première tâche. Ok, alors normalement, là, je dois lui donner à manger. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire. Voilà. Alors... pourquoi pas un petit hot dog? Voilà, hop. Voilà, régale-toi. Oh my god les amis, donc comme vous pouvez le voir, je suis rendue à la dernière tâche. Mon Woodland Egg est sur le point de hatcher. Oh my god. Et c'est... oh je sais pas c'est quoi parce qu'en fait je les connais pas, c'est un bullfrog. Oh my god, c'est trop mignon en tout cas. Ah bah c'est un common, mais c'est pas grave parce que je l'avais pas dans mon inventaire. Donc c'est plutôt pas mal, ça me dérange pas de l'avoir en fait, même si c'est un common. Mais si jamais j'en avais déjà un... bah là j'aurais été triste, mais en tout cas il est trop mignon, donc j'aime bien, voilà, ça va, je suis pas trop déçue. Donc là je vais faire toutes les tâches demandées par le Royal Egg et je vous reviens au moment où il sera sur le point de hatcher.
suis de retour et je suis enfin rendue à la dernière tâche. Enfin, j'en ai trois, mais j'ai décidé de choisir celle-ci. Oh my god, j'espère que je vais avoir quelque chose de bon. Oh, un red panda. Enfin, c'est pas le pire truc que tu peux avoir, mais c'est pas le meilleur non plus. Genre, on aurait aimé une licorne ou genre un dragon. Bref, je pense que je devrais réessayer les hacks que je vous avais montrés il y a genre 2 ans. Un truc du genre. Bref, si vous avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Juste rentrez dans ma chaîne et cliquez sur les vidéos les plus anciennes. C'est genre ma 3e ou 4e vidéo, un truc du genre. Mais bref, en tout cas, genre, je vous avais montré des hacks et ils avaient marché. Je devrais peut-être les utiliser. Oh my god les amis, donc là je suis en train de décider si c'est une bonne idée d'ouvrir le Aussie Egg ou non. Dites-moi dans la première, parce que je pense que je vais poster cette vidéo en première. Oh my god, dites-moi dans le chat en direct si je devrais l'ouvrir ou pas. Je sais pas vraiment quoi faire. C'est quand même un Aussie Egg, donc en gros c'est un egg légendaire qui n'est plus en jeu. Et j'ai seulement 2 chances sur genre 7 d'avoir des légendaires. Oh my god. Bon, en fait, j'en ai 2 autres, donc après, ça sera pas grave. Ok, bref, c'est bon, allez, let's go, je le fais. J'espère juste ne pas avoir un dingo ou un bandico. Le reste, ça me paraît quand même pas mal, genre un petit koala, ça me dérange pas trop, genre une grenouille, ou la tortue et le kangourou, c'est les meilleurs, donc bien sûr, je vais pas aller me plaindre. Mais bref, j'ai très peur de regretter cette décision parce que si j'ai un truc éclaté au sous-sol, j'aurais pu le trader et avoir une meilleure offre de ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Parce qu'en gros, quand je vais le trader, la personne qui va faire la trade avec moi, elle va pas savoir non plus qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf. J'aurais pu le trader et avoir une tortue dedans ou un truc hyper éclaté, genre un bandico, et l'avoir tradé et avoir eu une bonne offre. Donc c'est ça qui est mystérieux quand on essaye de trader un egg. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi soit dans le chat, soit en commentaire, vous pensez je vais avoir quoi dans l'œuf? Alors là les amis, je m'apprête à faire la dernière tâche. Oh my god. Et après, je vais enfin découvrir qu'est-ce qui se cache dans ce Aussie Egg que j'ai depuis des mois, mais presque un an. Oh, 3, 2, 1... C'est quoi? J'arrive pas à voir. Oh, un bandicoot? Un bandicoot? J'ai gardé ce Aussie Egg dans mon inventaire pendant des mois et des mois pour au final avoir un bandico qui est un common que je peux avoir dans un Royal Egg ou je sais pas quoi. Là, franchement, je suis déçue parce que j'aurais pu le trader en fait. Et comme ça, la personne, elle sait pas qu'il y a un bandico à l'intérieur, donc elle va avoir une bonne offre quoi. Parce que genre, je suis allée sur le site des trades et genre, les offres, elles étaient magnifiques. Genre, waouh! Non, là par contre, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Je me souviens pas comment j'ai eu ces Aussie Egg, mais en tout cas, j'ai tout fait pour ne pas avoir un bandico. Alors là, je suis désolée, mais c'est un gros non pour moi. C'est un gros fail cette vidéo. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Je vais pas vous dire si ça vous a plu parce que vraiment, c'est éclaté les pets que j'ai eu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous auriez aimé que j'ai des légendaires. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!